Le mot de cette monseigneur était dans la vie, il avait les grandes choses. Il y a environ 31 ans quand je lui appartiens. Mais moi j'avais quand même une famille chrétienne, pas du tout. Je ne connaissais pas les choses de Dieu. Et on a grandi comme ça dans les amusements. Et puis un bon jour, j'ai fondé un foyer, je suis mariée. J'ai enlevé sur Paris. Et moi, à l'époque, j'avais un arrêté de qui sortait. Et puis moi, j'avais des angoisses sur moi. En plus, j'avais peur de la mort. Quand je pensais à la mort, le soir, quand je me couchais, j'avais ça dans la tête. C'est pas possible qu'on va mourir, qu'il faut un sourd. Enfin, j'étais angoissée. Tellement que c'était grave pour moi, j'ai rêvé même d'un enterrement. À l'époque, j'avais deux petits enfants, je voyais tout, je voyais le cercueil, je voyais mes enfants pleurer, enfin, c'était grave. Quoi. Et puis, ça fait que je me réveillais, puis je pleurais. Je te loue. J'ai avancé pour ça. Et puis, j'ai rencontré le calme des jours. J'avais pas un foyer qui était à l'amour de Dieu, pas du tout, on connaissait pas les choses de Dieu. Et puis, à l'époque, j'avais un beau-frère, mais quand c'est un serviteur, il venait de rencontrer le Seigneur, et puis il nous venait, il nous témoignait. Et puis, moi, je me suis dit, voilà, c'est bien. Et nous, voilà, on avait des métiers qui n'étaient pas à l'amour de Dieu, puis c'était compliqué pour nous. Et moi, je ne connaissais pas du tout les choses de Dieu, puis à la fin de nous témoigner, puis, à travers qu'il témoignait, j'ai vu que Dieu était vivant. Mais j'étais perdue sans lui. Si je ne faisais pas la paix avec lui, j'étais perdue. Alors, je n'ai pas cherché à comprendre. Et j'ai donné mon cœur à Dieu chez moi, dans ma campagne. J'ai fait une expérience chez moi, sans la Réunion. Et à l'époque, il n'y avait pas tellement de missions. Et puis, j'ai fait une expérience comme ça. Ça m'a duré 3 jours. J'étais bouleversée dans mon cœur. Je n'avais plus envie de la vie que j'avais. J'avais un fardeau sur moi. Et puis ça m'a duré 3 jours, donc ça, puis j'ai pris la décision tout seul dans mon cœur. Et puis je me suis donné à Dieu. Et puis c'est la chose que j'ai pu faire. Hein, parce que le Seigneur a enlevé tout, donc c'est pas en gros ce que j'avais, tous mes défauts. Et puis ça fait que je suis comme ça, puis après je me suis baptisée. Et j'ai persévéré dans la prière pour mon compagnon parce qu'il n'appartenait pas au Seigneur, puis c'était un garçon qui sortait. Et puis j'ai persévéré comme ça, à force de persévérer, de prier. Là, c'est mon foyer dans les mains de Dieu, là, qui a touché son cœur. Et puis après, j'ai eu nos enfants. Et puis ça fait que mes enfants, maintenant, j'en ai 4. Ils sont mariés, leurs enfants mariés, ils sont tous chrétiens. J'ai mon fils qui sert pour servir le Seigneur. J'ai mon cœur dans la joie. J'ai mon beau-fils qui est chrétien. J'ai 2 belles filles chrétiennes. Et puis j'ai ma fille qui sert le Seigneur. Et puis voilà. Gloire à Dieu. Amen.